Donc les amis, bienvenue chez moi. Donc l'entrée se dirige par là. Et puis nous avons donc la vue vers l'océan. Je vous montre ma maison tout de suite. Et ça, c'est magnifique. C'est vrai que vas-y pour passer, t'as des tranchées de ouf. Et l'entrée principale pour rentrer dans ma demeure. Bon, l'entrée principale qui se trouve ici, je ne vois pas une autre entrée de toute façon. Il se passe quoi là-dedans? Ah, un raton laveur. Des enfants et des enfants et des enfants et des enfants. Ce sont des enfants grecs, ce n'est pas la même chose. Ah oui. Alors ici c'est un peu plus joli. C'est là où je viens méditer, en tranquillité. Oui. Et ça c'est beau. Et puis on a tous les enfants qui arrivent là maintenant. Oh mon Dieu, vite on se dépêche. J'aime vraiment les enfants. Mais c'est quand même sympa quand ça crie pas. À vous. Voilà. Ah. C'est effectivement vrai. Effectivement vrai. Ouais. Pourquoi ils sifflent? Ils ont un sifflet pour appeler les enfants. Je me suis cru dans un match de foot. Et ici, nous sommes quelque part. Quelque part par là. Oh oui! Ah, déjà, ça c'est très très beau comme ça. Et là. Oh toi, Moussaillon, bienvenue à toi. Merci. Il y a du vent. Et il y a du monde à la terrasse. Yeah. Bon, désolé, je filme comme je peux. Je remets à l'endroit. Ça bouge. C'est parti, mon kiki. Ici, t'as intérêt à être slim. Yeah! Un petit peu de vent. Un tout petit peu de vent, mais bon, c'est là où on va jouer ce soir. Donc on sera là-haut. Et si tu ne me crois pas, ben, ça veut dire que peut-être tu as des neurones et que tu réfléchis parce que c'est vrai, on va pas jouer ce soir. Mais c'est quand même beau, c'est quand même beau. Ah, la magnifique. C'est là où je loue en ce moment. Et voilà. Par contre, il n'y a pas de toilette. On parlait des Chinois, on parlait des Chinois. Mais tout le monde est avec son téléphone. Hein. Là, on parlait des Chinois. On fait tous pareil. Ils ont peut-être lancé la mode. Peut-être qu'ils savaient des choses qu'on ne sait pas. L'eau est plutôt claire. On peut voir hein, que l'homme n'est pas encore vraiment passé par ici. Aller, hein. Là, si t'es pas sage, tu iras là. Sinon, tu monteras la colline pour pouvoir bénéficier de cette vue splendide et magnifique. Oh, Moussaillon, toi, tu irais. C'est un peu ça qu'il faisait, hein. Bâton à vue. Et voilà les amis. Ça, c'est ce qu'on appelle être sur un château.
Chapeau. C'est quand même plutôt haut en fait, hein. Comment je le sais? Bah, regarde par toi-même, hein. Ah quoi, t'as intérêt à pas trop tomber. Alors l'eau, alors regarde, je vais te montrer ça. La qualité de l'eau, elle est magique, époustouflante. Et après nous avons une vue. Ça donne envie. Il y a un petit vent frais quand même, hein, mais ça donne envie. Il y a un vent de dingue! Je ne vous entends pas! Alors nous allons voir cette entrée et cette montée. Alors là il n'y a rien. D'accord. Bon, il fallait le savoir. Bonjour. Oh punaise, ça donne pas spécialement envie de rentrer. C'est quelqu'un? Bienvenue mon ami. Oh, ça rassure. Ça donne vraiment envie de... Ouf. Ah oui, très 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 rassurant. Alors là maintenant, je fais quoi? Bah par là, je suis grillé. Wow. Quoi que pour monter là-haut, tu dois être un pigeon. Bonsoir. Si tu es là, fais-moi un signe. Laissez-moi sortir. Laissez-moi sortir, s'il vous plaît. Au moins, j'ai une vue de dingue. Eh oui. C'est toujours ça. Alors ça, je sais pas si ça passe chez l'architecte. Je pense pas. Hi. Bonjour, bonsoir. Ok, c'est passé. Et on retourne dans le noir. C'est parti. L'attraction. Elles viennent de là pour terminer ici. Yeah. Franchement, c'est sympa, ça vaut le détour. Il y a un petit vent, donc je sais pas si vous m'entendrez bien. Mais en tout cas, comme je l'ai dit, ça vaut le détour, c'est beau, c'est magnifique, ça remplit d'énergie, ça fait du bien, ça ressource, il fait beau, l'eau c'est agréable, tout est résumé. Un autre, hein. Ça m'étonnerait que ça ce soit de la génération des châteaux, hein. Je te le dis, regarde la plaie, hein. Là je veux bien mais tu mourras pas, hein. Ça a pas 400 ans, hein, je te le dis, c'est un château, ça a 400 ans. Cherche pas un viseur, s'il te plaît. Perçois une pyramide qui est juste là. 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 Une pyramide. Ah, ça, c'est sûr que c'est pas des Portugais qui ont fait ça, je veux dire. Parce que ça passe pas. Bon, alors là, c'est beau, beau, beau. Regardez la couleur de l'eau. Vous ne la verrez pas parce que le téléphone ne peut pas faire la différence, mais c'est magnifique. Rien, nous avons une église. Château là-bas derrière et une pyramide dans le château. Pourquoi une pyramide dans le château? Alors là, réponse en commentaire les amis. Deux doigts de s'écrouler là, la petite montagne. Il y a déjà un bout de pierre qui est tombé. Voilà la maison pyramidale. L'architecte ici s'est dit on fait tout en pierre, hein, on s'est pas chié avec le bois et tout ça, tout sera de la pierre. Et du coup pyramide, maison, pierre
on mange sur une table en pierre, on s'assied sur un banc en pierre, on a le couvert en pierre et on a également les assiettes en pierre. Donc tu manges bien sûr de la pierre avec pierre. Et oui. Je suis dans la maison en pierre, mais je sais pas si Pierre me laissera rentrer. Il est déjà 7h pierre. Et on va regarder le coucher de la pierre. Tu veux une pierre? Allez, santé. Et donc la maison de Pierre. Il fait pierre. Ça c'est la maison de la pyramide. Donc c'est comme ça une pyramide de l'intérieur. Pas mal, hein? Voilà. Alright, baby. Alors ça, si c'est pas des belles pierres, bravo l'artiste, hein, plus lisse, compliqué. Ah, lisse, bien taillé. Il y en a plusieurs. Hein. Bien taillé. Hop, il n'y a plus qu'à poser et à construire. C'est parti mon kiki. Ça c'est beau aussi. On va dans l'église qui se trouve là-bas. Allez. J'aperçois une église. Oui, bon, peut-être que vous l'avez déjà vu sur la vidéo, mais j'aperçois une église, pour faire semblant. Là, on va rentrer, voir un peu ce qui se passe. C'est parti. Là où on sonnait la cloche, il y avait peu de gens qui venaient, mais on la sonnait quand même, au cas où. C'est parti. Il y a déjà des gens. S'asseyait ici. Bizarre, ouais, chaise. Tout est expliqué là-dedans. C'est un corbeau. Qui visite la fameuse pyramide. Ils sont deux, son confrère. Yeah. Donc le gros bâtiment là, il y a des amusés, ouais. Et là, ouais. On se croirait dans le Seigneur des Anneaux. Ici, c'est la fameuse entrée que je vous avais dit. Toute la ville. Toute la ville. Ah, il fallait réussir à passer, effectivement. On va monter des endroits comme ça. Compliqué. Tintin. Soldats chargés. En conclusion, c'est assez reposant. On peut voir ici les quatre chemins. Et l'entrée. En revanche, d'avoir une tête de grec parce que les gens me parlent en grec. Ah, forcément, t'es en Grèce, mec. Ceux qui te parlent en quoi, en chinois? J'ai rien contre les chinois, je te le dis.